bienvenue. Nous sommes ici à Aerosim Expérience à Laval. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment en fait démarrer les moteurs sur un Boeing 737. Donc premièrement, comme on peut voir ici, je suis sur le ground power. Donc je vais prendre l'énergie disponible au niveau de la prise de parc. Donc maintenant, on va démarrer le moteur. On va faire ça tranquillement. Donc d'abord, on va démarrer l'APU. L'APU, c'est la petite turbine qui se trouve à l'arrière. Donc pour démarrer l'APU, premièrement, on va prendre la deuxième pompe à carburant qui est à ce niveau-ci. Bien sûr, fermer la climatisation parce qu'on nous en a pas besoin. Et puis, on peut présentement passer au démarrage de l'APU qui se trouve ici. Donc on va démarrer, on va appuyer sur Start. On voit l'Oil Pressure ici. On va relâcher le bouton. On voit la température des gaz d'échappement qui se situe à ce niveau-ci. Elle va monter progressivement aux alentours de 700 degrés. Une fois qu'elle va se restabiliser au niveau de 500 degrés, la source électrique au niveau de l'APU sera disponible et on va pouvoir prendre l'énergie juste après. Voilà, nous sommes en train de reculer. Ils vont nous reculer et nous positionner à 90 degrés. All engines clear for startup. Ok, on est autorisé à démarrer les moteurs. Donc ce qu'on va faire déjà, il faut qu'on prenne du bleed air au niveau de l'APU pour démarrer le moteur. Ouvrir la valve d'isolation à ce niveau-ci. Et normalement, tout est correct. Starter qui est ici, on va démarrer par exemple le moteur gauche, on va mettre engine start sur l'allumage gauche, on va pousser le bouton. Voilà, vous voyez. Okay, vitesse de rotation du compresseur ici, le compresseur haute pression qui tourne. Une fois qu'on a à peu près 20%, on injecte le fuel qui se trouve à ce niveau-ci, moteur gauche. Voilà, 20%, on injecte le fuel. Voilà, le moteur 1 est en train de démarrer. Est revenu sur off. Maintenant, pour procéder au deuxième moteur, on va faire la même chose. Voilà, engine start sur ground pour le démarrage du deuxième. 10%. Une fois qu'on a toujours 20%, on injecte le fuel au niveau du moteur 2. Voilà, 20% injection du fuel. Voilà, démarrage du moteur 2 effectué. Donc maintenant, on peut rétablir la climatisation à ce niveau-ci, côté gauche, côté droit. Les paquets d'air et remettre la valve d'isolation sur automatique. Voilà, on peut entendre normalement la climatisation et normalement maintenant je prélève l'énergie électrique au niveau des moteurs. L'avion est totalement alimenté au niveau des deux moteurs. Nous sommes prêts au roulage, nous sommes prêts à partir. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis si ça vous intéresse d'en connaître un petit peu plus, venez nous voir ici à Aerosim Expérience à Laval. Merci à vous, bonne journée.